Mais entre ce point de départ et l'arrivée, il y a des dizaines d'années qui sont passées. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Maintenant, la plupart de la vie, c'est dans la construction. C'est amer. C'est pas l'idéal. Quand vous vous mettez à construire, c'est pas la joie. C'est pas la joie, la construction. Qu'est-ce qui est la joie? C'est quand vous restez conscient. Pourquoi je suis en train de faire tout ça? Parce que j'avais une idée au départ. C'est cette idée-là que je veux. C'est cette idée, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je voulais arriver à quelque chose. Maintenant, je suis en train de le construire. Je ne dois pas lâcher parce que je vais arriver. Voilà, à travers toutes les nuisances, quel est mon idéal de naissance? L'envie initiale en naissance. Radak, radak. Oui, on est confronté à beaucoup d'obstacles, mais il faut savoir que ces obstacles... Après, je vais vous répondre dans un frima sur ce que vous dites. J'espère que je vais me rappeler pour vous dire. Mais les obstacles, en fait, c'est quoi? Les obstacles, c'est le néant qui est créé justement pour réaliser votre projet. Tous les obstacles, pour rester dans l'exemple de Yosef, c'est-à-dire que toute la jalousie de ses frères, tout le fait qu'ils veulent le tuer, qu'ils le vendent, qu'il arrive chez Potiphar, qu'il est accusé à tort et qu'il passe 12 ans en prison, tout ça, ce sont les obstacles qui sont indispensables à la réalisation de son projet. La réalisation de son projet, c'est quoi? C'est qu'il devient empereur sur le monde et qu'il va nourrir le monde entier. C'est ça qu'il voulait faire. C'était ça son projet. Son projet, c'est qu'il a réparé à lui tout seul 70% de la faute du premier homme. C'est-à-dire, c'est un projet énorme, le projet de Yosef. Il est énorme, comme le projet de David Amer, comme le projet de Rabbeinu, comme le projet de Rabbi Nathan, comme le projet de Rabbi Shimon, de Moshe Rabbeinu. C'est des projets énormes, énormes. Donc, plus votre projet est grand, et plus le vide conséquent à la réalisation de ce projet... Il va être grand. Donc c'est dur. C'est sûr que c'est dur.